Kilomètres de Perpignan. C'est vraiment un château assez unique puisqu'il est vraiment à la frontière de deux époques en fait, hein, le Moyen Âge et la Renaissance, et puis entre aussi le château fort et ses bastions un peu style à la Vauban qui vont résister à l'artillerie. C'est une forteresse qui a été bâtie au tournant du 15e et du 16e siècle par le roi d'Aragon. Isabelle la catholique, puisqu'ici on était au niveau de la frontière avec le royaume de France. Parce qu'à l'époque, le Roussillon, hein, donc la région de Perpignan, pour faire simple, entre les Corbières et les Pyrénées, ne sont pas encore en France. C'est fait encore partie du royaume d'Aragon, c'est-à-dire ce royaume catholique qui correspond un peu beaucoup à la Catalogne actuelle, qui sera d'ailleurs la base chrétienne pour la Reconquista, la reconquête de l'Espagne, qui avait été conquise par les musulmans au 8e siècle. Et donc ici, à l'époque, en fait, ici c'est un verrou de la frontière aragonaise contre le puissant voisin français, qui ne possède pas encore ce petit morceau-là, mais qui a annexé le Languedoc au XIIIe siècle, donc au moment de la croisade contre les Albigeois, les Rési Cathares, hein, que je vous raconte dans d'autres vidéos, au moment où il y a... ouais, au moment où il y a donc... l'hérésie cathare, en fait, le royaume de France, à l'époque de Philippe Auguste, va en profiter en fait pour annexer le Languedoc, et donc la frontière sera installée au niveau du sud des Corbières, donc ce massif calcaire qui est dans le contrefort des Pyrénées. Et ce sera qu'au XVIIe siècle, avec le traité des Pyrénées, justement, sous la régence de Louis XIV, que le Roussillon, c'est-à-dire la Catalogne française, est définitivement annexée et intègre le royaume de France, moment où du coup cette forteresse n'aura plus d'utilité et du coup tombera un petit peu en désuétude, mais elle est aujourd'hui dans un état de conservation assez remarquable. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un petit bijou de cette architecture très 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 unique, avec un mélange de briques et de pierres. Hop, on va aller visiter ça avant de monter dans les Corbières, après vers Oulpoulpérios. Effectivement, c'est une sacrée forteresse. Il est écrit Sals l'imprenable, mais bon, techniquement. Alors les Français, ils ont essayé de la prendre déjà pendant qu'elle était en cours de construction, dans les années 1503. Et puis, bon, ils n'y sont pas réussis. Mais techniquement, la forteresse sera capturée par les Français sous Louis XIII dans les années 1640, avant qu'en fait la frontière soit redessinée avec le traité des Pyrénées et qu'elle soit définitivement cédée à la France. Effectivement, le site était important, hein, puisque le traité des Corbières qui fixe la frontière entre la France et l'Aragon, c'est vers les années 1259. Et ce sera les Corbières constitueront la frontière du royaume de France entre France et Aragon, donc future Espagne, pendant presque 400 ans quand même, jusqu'au traité des Pyrénées sous Louis XIV. Et il faut se dire qu'à cette époque, ici, c'est un endroit vraiment, quand ils la construisent en fait, donc au début du XVIe siècle, c'est un endroit vraiment stratégique, puisqu'il faut voir qu'à l'époque, le royaume d'Espagne, au début du XVIe siècle, c'est vraiment l'heure de gloire de l'Espagne, et c'est le plus puissant royaume d'Europe en fait. Puisqu'on est sous Charles Quint, ce sont les Habsbourg qui dominent l'Espagne, et en fait,
les Habsbourg dominent pas seulement l'Espagne, il y a les Habsbourg d'Autriche en fait, qui ont déjà un important empire, et on a les Habsbourg d'Espagne. On parlera en fait justement des Habsbourg d'Espagne et Habsbourg d'Autriche, et ceux d'Espagne, ils ont aussi une bonne partie de l'Italie, ils contrôlent notamment le royaume de Naples, donc le sud de la botte italienne, la Sicile, la Sardaigne, les Baléares, et puis si vous vous souvenez, au début 16e siècle, on est en pleine exploration et conquête du Nouveau Monde, en particulier par l'Espagne, le Portugal et l'Espagne sur la grande première phase. Et donc là, les Espagnols établissent des colonies aux Amériques, dans les Caraïbes, Amérique du Sud. C'est le moment où ils mettent la main sur les richesses de l'Empire aztèque, puis de l'Empire Inca, et où il y a tous les métaux précieux qui reviennent du Nouveau Monde. Et donc l'Espagne, au début du XVIe siècle, elle est immensément riche. C'est un truc dont on peut se rendre compte si un jour vous passez à Séville, par exemple, et que vous allez voir la cathédrale, mais qui est énorme, et d'un niveau de richesse à l'intérieur, de décoration et d'or, qui est vraiment inouï, quoi, puisque Séville, d'ailleurs, à l'époque, était le grand port des Amériques. Et donc, effectivement, et c'est qui, à l'époque, le grand rival de l'Espagne? Bah, c'est la France, ou plutôt la France, on va dire. La France, elle a toujours un petit peu de façon un ennemi du moment, voire plusieurs, mais qui peut éventuellement changer selon les périodes. Et après la guerre de 100 ans, où il a fallu bouter l'anglais, quand on arrive à l'orée du 16e siècle, le grand rival, le grand adversaire, c'est le royaume d'Espagne, c'est le voisin espagnol, notamment sur l'enjeu italien, parce que la France aimerait récupérer le royaume de Naples, et notamment parce qu'elle a des droits souverains dessus. Je vous rentre pas dans le détail dynastique, mais voilà, la France peut prétendre par héritage dynastique au royaume de Naples, et les Espagnols aussi. Et ce sera les fameuses guerres d'Italie, hein. Tout le monde connaît 1515 Marignan. Bah, Marignan, c'est François Ier qui est engagé dans le nord de l'Italie, du côté de Milan, notamment pour dans l'idée justement de récupérer le royaume de Naples. Voilà, ces guerres d'Italie d'ailleurs, elles vont durer un moment, puis il y en aura encore beaucoup aussi au XVIIe, au XVIIIe. Et finalement, après, l'Espagne va quand même connaître un déclin qui va venir assez vite en fait. Finalement, l'âge d'or va pas durer si longtemps que ça. L'Espagne connaît un déclin en fait, même dès la fin du XVIe en fait, des problèmes monétaires, un essoufflement, des gros problèmes dynastiques aussi. On va avoir la guerre de succession d'Espagne en fait, puisque bon, le problème des Habsbourg, c'est que beaucoup de consanguinité, et puis finalement un roi, c'est Charles je sais plus combien, qui a des lourds problèmes de santé, et tout le monde se dit il va crever à 15 ans quoi. Finalement il vivra plus longtemps que prévu, mais à ce moment là Louis XIV fera valoir pareil, les droits sur le trône d'Espagne. Et d'ailleurs, la France, avec la guerre de succession d'Espagne, donc là, on est au début du 18e, elle arrivera à placer, alors je crois que c'est quoi? C'est le futur oncle de Louis XV, donc un des petits-fils de Louis XIV qui sera placé sur le trône d'Espagne. Et donc, imaginez pour la France qui arrive à mettre la main sur l'Espagne. Et donc là, catastrophe rebattage des cartes géopolitiques énormes dans l'Europe du début du XVIIIe, puisque les Bourbons, donc la dynastie qui contrôle le royaume de France, donc c'est Capétiens indirects, et ben ils contrôlent aussi l'Espagne. Et donc là, il y en a qui sont pas trop contents, notamment les Pays-Bas et l'Angleterre. Et donc à ce moment-là, d'ailleurs, on rentre dans la grande période de rivalité France-Angleterre au début du XVIIIe. Ça, je vous le raconte dans la série d'articles que j'ai écrit sur les origines de la guerre de 7 ans. Guerre de 7 ans qui sera le grand choc entre la France et la Grande-Bretagne dans ce qu'on a appelé la seconde guerre de 100 ans, qui va aller du début du 18e à Waterloo, en fait, hein, pour faire simple, et l'épopée napoléonienne. Et voilà, où vraiment là, les deux grandes puissances qui se battent pour l'hégémonie de l'Europe, mais aussi du monde, sont vraiment la France et la Grande-Bretagne. Ou surtout, disons que la France est à ce moment-là plus la seule qui peut encore entraver l'hégémonie commerciale, maritime, qui est en train d'installer la Grande-Bretagne sur le monde depuis le milieu du XVIIIe siècle. Donc ça, si ça vous intéresse, je traite tout ça et je raconte de toute façon un petit peu tout ce 16e, 17e siècle, des grandes découvertes, des Européens qui partent à la conquête et qui colonisent le Nouveau Monde, de tous les enjeux, tous les changements économiques et aussi toute la géopolitique en fait que ça va impliquer à la fois sur le plan continental et sur le plan maritime, où je vous raconte voilà justement la puissance et le déclin de l'Espagne,
la grande rivalité aussi qu'il y a pu avoir en Amérique entre l'Espagne et la Grande-Bretagne, la Hollande aussi, hein, les Pays-Bas, qui vont être un grand pays colonial et commercial, qui vont monter un immense empire marchand, avant pareil de décliner eux aussi. Et comment on arrive finalement à cette situation où finalement on a eu d'abord ça a été les Portugais, puis on a eu les Espagnols, et puis les Pays-Bas aussi au XVIIe, qui ont un temps été très hégémoniques, on va dire, dans le Nouveau Monde. Bon, ça dépendait si on regarde le côté asiatique ou le plan Amérique. Et puis au XVIIIe, ça se joue entre la France et la Grande-Bretagne. Toutes les autres puissances, Espagne, Portugal, Hollande, sont un peu sur le déclin et deviennent un peu des puissances secondaires et en fait s'alignent avec l'un des deux protagonistes, quoi, France ou Angleterre. Et d'ailleurs, on parlait des Habsbourg tout à l'heure, les Bourbons et les Habsbourg, donc on va dire la France et l'Autriche-Espagne, sachant que l'Autriche, aujourd'hui, on va dire c'est un pays de 10 millions d'habitants, c'est un tiers de la taille de l'Allemagne, mais pendant très longtemps, ça a été une très très grande puissance et le grand empire d'Europe centrale, en fait, hein, qui contrôlait le Saint-Empire romain germanique. Et du coup, voilà. Après presque 3 siècles de rivalité entre la. En gros, c'est pendant 3 siècles, en fait, on va dire du fin du 15e au début 18e, milieu 18e, c'est la rivalité entre les Bourbons et les Habsbourg, donc entre la France et Autriche-Espagne, qu'on va dire, qui structure la géopolitique européenne, en fait. Et au milieu 18e siècle, on a ce qu'on appelle le renversement des alliances. La France s'allie avec l'Autriche contre la Prusse et la Grande-Bretagne, sachant qu'à la guerre d'avant, elle était alliée, c'était France-Prusse contre Grande-Bretagne-Autriche, pour faire simple. Et voilà, là, on a une nouvelle dynamique qui s'installe, et là, entre 1756 et 1815, on est sur le grand affrontement entre la France et l'Angleterre, dont finalement tout le monde connaît surtout le spin-off final napoléonien, mais qui en fait se joue en fait véritablement au moment de la guerre de 7 ans. Sous Louis XV, entre 1756 et 1763, c'est le moment où la France va perdre le Canada français, le Québec, les Indes aussi, où la France était plutôt en situation de domination. Bon, je suis parti assez loin de la forteresse de Sals, mais en tout cas, si ça vous intéresse, j'ai écrit une chouette série d'articles dessus. Bon, et puis on va reprendre la visite et revenir au XVIe siècle. J'ai encore 5 minutes avant la visite guidée. C'est grand, hein, comme endroit. Là, on est dans les anciennes écuries. Ouais, donc les Français, ils s'empareront de l'endroit au milieu du XVIIe siècle, comme je vous disais. Bon, je crois qu'en fait, on voit rien. Ça sert à rien. Et donc ouais, la forteresse a été bâtie par le roi d'Aragon et Isabelle la Catholique, qui ont été un grand couple et deux grands rois. Donc Ferdinand, lui, il était roi d'Aragon. Donc l'Aragon, hein, je vous le disais, c'est la région qui est adossée aux Pyrénées et vraiment la partie vraiment très montagneuse qui borde la Catalogne, juste à l'ouest de la Catalogne. Et puis Isabelle la Catholique, c'était la reine de Castille. Castille, c'est plutôt la partie centrale de l'Espagne, la région de Madrid. Mais à l'époque, le royaume de Castille, c'est aussi beaucoup plus gros puisqu'il y a le León, il y a aussi... ça monte vers la Galicie, vers là où vous avez Saint-Jacques-de-Compostelle, vers le nord-ouest. Ça a intégré aussi à l'époque l'Andalousie. Et du coup, d'ailleurs, à la fin du XVe siècle, la Reconquista est terminée. Les royaumes catholiques chrétiens qui, au départ, avaient été repoussés. En fait, la Reconquista, en gros, les musulmans, en fait, à l'époque justement de la propagation de l'islam, ils envahissent et ils s'installent dans la péninsule ibérique. Ils vont monter en fait jusqu'en France, hein, vous connaissez, bataille de Poitiers, ce qui en vrai n'était qu'une incursion et un espèce de raid, hein, pas vraiment forcément une tentative d'installation. D'ailleurs, les musulmans vont aussi s'établir en partie sur la Septimanie, donc le Languedoc, qui va être un petit temps Narbonne, Perpignan, seront un petit temps sous occupation musulmane et sarrasine.
mais les royaumes chrétiens, on va dire, adossés aux Pyrénées, vont résister et ça va en fait constituer la base qui va permettre la reconquête de l'Espagne, qui va durer quand même 800 ans, avec des épisodes célèbres, notamment l'épopée du Cid, hein, ce chevalier à l'histoire assez incroyable d'ailleurs, puisqu'il a été mercenaire et était dans plusieurs camps en même temps. Et du coup, les royaumes chrétiens vont progressivement reconquérir, en partant notamment de l'Aragon et de la Catalogne, vont progressivement reconquérir toute la péninsule. Et la Reconquista se termine dans les années 1497, quelques années d'ailleurs après que Colomb ait découvert l'Amérique, ou redécouvert, ou en tout cas voilà, que l'Amérique soit officiellement découverte par l'Europe. Et donc là, on rentre dans cette phase où l'Espagne, ça y est, a reconquis tout son territoire et commence à se projeter et à projeter sa puissance outre-mer. Et c'est le début de cette grande période de la puissance espagnole, hein, puisque le XVIe siècle, hein, est vraiment l'âge d'or de l'Espagne. Et donc c'est à cette période où justement on se protège contre la France en faisant construire cette forteresse, donc à l'époque de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle la Catholique, qui va mourir assez jeune d'ailleurs. Et d'où il y a des légendes aussi de trésors d'Isabelle la Catholique du côté de Rennes-le-Château et des Corbières. Bon, on va se mettre en route vers la visite guidée, c'est l'heure. Vu que j'étais. C'est vrai que c'est là qu'on voit qu'on est en cours. J'étais tout seul pour la visite guidée. Du coup, le mec me l'a quand même fait, c'était cool. Je vais parler un peu histoire de la Catalogne avec un Catalan. Et ouais, du coup, c'était un petit bijou dans le domaine, hein, puisque. On est vraiment sur vraiment la transition, c'est peut-être ce qu'on peut considérer comme le dernier château fort en fait. Les Français du coup d'ailleurs ont essayé de le prendre comme je vous disais avant que ce soit achevé, mais ils n'ont pas réussi. Et du coup c'est vrai que y avait quand même une bonne garnison en temps de guerre, hein, puisque c'était. Alors c'est un peu comme les châteaux cathares, en temps de paix finalement ils étaient entre 15 et 50. Mais par contre en période de guerre. Là, c'était carrément tout un régiment qui était stationné ici, avec de la cavalerie aussi. D'ailleurs, les écuries sont à l'intérieur, là, en fait, sont presque au niveau bas, là, dans la cour, enfin, autour de la cour, en fait, elle est presque en souterrain, en fait. Donc, il y avait quand même de quoi héberger presque 150 chevaux. Et du coup, ça a été occupé du coup par les Espagnols pendant. Ça fait beaucoup de du coup dans cette histoire du coup, mais. Donc ça a été occupé par les Espagnols jusqu'à 1640 à peu près. À ce moment-là, les Français prennent la forteresse. Et puis finalement, dès 1660, traité des Pyrénées, comme je vous disais. La frontière est décalée là-bas, là. Je ne sais pas si on voit les crêtes pyrénéennes là, une cinquantaine de kilomètres. Donc finalement ici ça perd son intérêt stratégique. Alors Vauban va quand même passer dans le coin. Il va surtout faire quelques petites réparations, mais globalement on n'est pas sur une restructuration du château. Hein. L'ami Vauban avait beaucoup d'autres choses à faire. Beaucoup d'autres sites plus prioritaires, plus sur la frontière, entre les précarés du nord et de l'est. Et puis Vauban pour le coup il a fait aussi un certain nombre de places là sur la nouvelle frontière des Pyrénées, plus au niveau de Collioure et tout. Mais donc du coup ça va quand même rester une forteresse de l'État, hein, et l'armée y sera jusque dans les années 1920-1930. Alors le donjon là, bon c'est bête on ne le voit plus, mais il servira notamment, là que je viens de visiter, il va servir de dépôt de poudre à ce moment-là. Enfin, c'est-à-dire que le donjon n'est plus habité, il n'y a plus vraiment d'hommes, mais en fait on stocke de la poudre. En gros c'était le gros dépôt de poudre pour l'artillerie de la frontière en fait. Il y en avait apparemment deux autres à Perpignan et je sais plus où, à Rivesaltes, qui d'ailleurs apparemment ont pété avec un orage. J'imagine que ça a dû faire un sacré boom. Si vous imaginez la foudre qui tombe sur un dépôt de poudre, ça a dû faire un sacré feu d'artifice.
Donc ouais, finalement, c'était plus devenu une espèce de base logistique avec aussi bon des hommes qui étaient stationnés là. Et donc bah effectivement, comme c'était un site militaire, hein, un site de l'armée où il y avait le régiment et infanterie de marine qui étaient stationnés, ça appartient à l'État et toujours en fait. Hein, ça appartient à l'époque au ministère de l'Intérieur, puis maintenant au ministère de la Culture et ça appartient aux monuments nationaux maintenant. Et alors ce qu'il me disait aussi, c'est que l'histoire de la forteresse n'était pas très bien connue. Et en fait, les universitaires s'y sont intéressés récemment là. Et en fait, c'était une découverte fortuite. C'est un universitaire qui est tombé sur les archives en Espagne. Il est tombé par hasard sur les archives et donc il a pu retrouver toute la construction, les ouvriers, les factures, comment on l'a financé. Donc finalement, la connaît. En fait, le fort, on peut le visiter et il est fait visiter aux gens depuis les années 30. Mais finalement, c'est plus récemment qu'on connaît vraiment bien l'histoire de la forteresse dans le détail. Et donc quand même, ça, on le voyait pas forcément tout à l'heure, mais là, on le verra mieux. C'était vraiment un emplacement très, très stratégique. En fait, il y avait déjà une ancienne forteresse et surtout ici, avant, il y avait le village de Sals jusqu'en 1496. En 1496, en fait, alors on est en pleine période de rivalité franco-espagnole. La France est notamment engagée, comme je vous racontais, en Italie, ainsi en avoir le royaume de Naples contre justement les Espagnols et le roi d'Aragon. Et en fait, à un moment, il y a une petite trêve qui est signée entre la France et l'Espagne et où l'Aragon donne le Roussillon aux Français. Et en fait, on contre un truc en échange en Italie. Et puis finalement, en fait, les Espagnols reprennent les offensives en Italie. Et du coup, en fait, le roi de France, Charles VIII, en représailles, les Français viennent et défoncent le village. Donc le village est rasé. Donc c'est pour ça en fait que la place était libre en fait pour les Espagnols quand ils reprennent la place juste après pour faire le château en fait. Et le site est hyper stratégique puisqu'en gros là on est sur l'autoroute on va dire à invasion de l'Espagne par la France puisque les Pyrénées c'est une belle chaîne de montagnes qui tape à 3000-3500 d'altitude. Donc il n'y a pas 3000 endroits en fait pour faire passer toute une armée avec l'artillerie, tout le bagage logistique et tout de la France à l'Espagne. Il y a un côté Pays Basque et puis il y a ici sur la côte, là-bas là, au niveau un peu de Collioure et tout, ou alors des vallées qui sont pas encore, où les cols sont pas encore trop élevés vers là-bas, vers la vallée de la Tête et tout. Et du coup, bah si vous allez là-bas, de toute façon, avant ça, il y a les Corbières. Donc vous pouvez passer du côté par Carcassonne et en dessous, mais c'est quand même un peu plus compliqué. Donc l'autoroute pour passer avec un bon terrain plat et tout, bah c'est entre la Méditerranée, la côte. Et ici, parce que là vous avez le début des Corbières, et encore faut se dire qu'à l'époque les étangs étaient plus proches, donc en gros vous aviez une bordure de quelques kilomètres de plat pour passer pour les Français pour aller venir attaquer l'Espagne, d'où le fait qu'on s'installe ici avec une belle forteresse avec des canons qui fait qu'on verrouille complètement la zone et que c'est pas possible pour les Français de passer. Voilà. Ah oui, puisque intéressant aussi, il y avait toute une infrastructure de l'eau qui était pas mal foutue aussi ici. Ils avaient des citernes de partout, notamment qu'arrivaient, ils avaient même un système d'évier et tout. Apparemment, ce qui était compliqué ici, c'était pas trop l'approvisionnement en eau potable, puisque bah, vous commencez à connaître, si vous suivez un peu mes reportages, hein, je suis souvent sur les régions calcaires de karst. Hein, donc karst, c'est quand on est sur un plateau calcaire qui va être tout creusé comme c'est du calcaire. Du coup, géologiquement, bah, souvent en dessous, c'est un gruyère souterrain très creusé par l'eau. Et d'ailleurs ici, juste à côté, je vais y aller juste après, vous avez la Fuentes Ramar. C'est un gouffre en fait aquatique, parce que vous avez un immense lac souterrain là-bas. Et là-bas, vous avez une grosse résurgence d'ailleurs qui alimente l'étang de Leucate. Et là-bas, vous avez un siphon, mais qui fait plusieurs centaines de mètres. Donc imaginez, là, on est quasiment là-bas au niveau de l'eau, et vous avez un gouffre aquatique, un puits quoi, qui fait plusieurs centaines de mètres de profondeur et qui est connecté au réseau souterrain aquatique d'eau douce, de tout ce qui est collecté en fait sur les Corbières, sur le plateau calcaire, qui est drainé et qui sort notamment là-bas à cette résurgence. Un peu comme je vous avais pu montrer des résurgences, notamment celle du Tarn là, dans les Grands Causses.
Et en fait, ça a été exploré. Ils sont des, je crois que c'est le siphon le plus profond qui a été exploré d'Europe, puisque les plongeurs sont descendus jusqu'à 250 mètres, je crois. Imaginez le truc. D'ailleurs, il y a eu des morts, hein, des spéléologues plongeurs qui sont morts dans le siphon, hein. C'est vraiment, ils sont très très courageux, les gens qui explorent ce genre de choses. Aussi parce que voilà, c'est important de connaître un peu les réseaux d'eau et les ressources en eau, hein, puisque pas besoin d'expliquer pourquoi ça va devenir précieux dans les années qui viennent. Et donc, bon, tout ça pour dire que ici, ils étaient plutôt bien niveau eau potable. Par contre, c'est sur l'évacuation des eaux usées que c'était plus compliqué, parce qu'en fait, c'est très très plat, il y a très peu de pente, et donc ils avaient dû avoir un système pour où ils devaient envoyer de l'eau pour un peu nettoyer les conduits, parce que sinon, ça se passait pas super bien, quoi. Voilà. Dernier petit point de vue sur la forteresse, qui est vraiment construit semi-enterré en fait. Hein. C'est très curieux. C'est vraiment une innovation pour l'époque. Hein. En tout cas, elle est vraiment magnifique. Puis elle est vraiment dans un état de conservation vraiment remarquable. Elle a été entretenue. Hein, mais, il y a le bruit de l'autoroute parce qu'il y a l'autoroute A9 qui passe juste là, juste en dessous des Corbières. Très 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 belle. Ouais, c'est quoi? Une dizaine de kilomètres de Perpignan, près de Rivesaltes et de Fitou là dans la zone qui est plus connue pour les vins des Corbières. Et si vous êtes dans le Queen, c'est vraiment un joli truc à visiter. Fort bastion voilà, au bord. Là, la grande porte où je suis entré tout à l'heure. Et puis là-bas, on a Perpignan. Là, on a Salses, le château, la ville actuelle. Et puis tout au fond, Perpignan qu'on ne voit pas. Et puis la crête des Pyrénées, là, vers le sud, vers l'Espagne. Une petite curiosité, là je suis dans le musée d'histoire de Gérone et il montre comment fonctionnait le mécanisme en fait de la cloche de la cathédrale et c'est dingue. Regardez le niveau de complexité du truc. Tout un ensemble d'engrenages. C'est le genre de réflexion où, quand je vois ce genre de truc, je me dis, mais est-ce qu'on serait capable de le refaire? De le retrouver et de le refaire? Vous imaginez les siècles, voire les millénaires, en fait,
d'itération de la connaissance et du savoir mécanique en fait pour arriver à ça en fait. Sachant qu'on est parti à l'âge de pierre où on taillait des silex quoi. Ah, ça me fascine. Unbelievable. Très jolie musée sinon. Belle chose à voir ici. C'est le musée archéologique de Barcelone que j'aimerais bien voir. Il y a tout. Tiens, vous voyez là, on est en Espagne et puis boum, on retrouve la France parce que tiens, déjà là-bas, il y avait un truc marrant. Enfin, marrant. En fait, ici, vers le 17e, 18e siècle, ça a été un moment sous occupation, ça a varié quoi, mais il y a eu des bonnes incursions et occupations françaises. On est quand même qu'à même pas 100 km de la frontière, hein, de l'autre côté des Pyrénées. Par exemple, là vous avez le blason de la ville à une certaine époque avec la fleur de lys, qui est pas trop du Queen. Un écu impérial, effectivement vers la guerre de succession d'Espagne et tout ça. Et à un moment en fait, il s'est passé un truc assez incroyable au début du 18e, c'est... Il y a eu ce qu'on appelle la guerre de succession d'Espagne, où en fait l'héritier de la dynastie des Habsbourg, Charles je sais plus combien, meurt sans héritier. Et du coup, la France, il y a une grande guerre de succession, et la France, on est à l'époque de Louis XIV, hein, avec quand même cette espèce d'impérialisme continental, essaie de placer quelqu'un de la famille des Bourbons, je sais plus si c'est son petit-fils ou un truc comme ça, à la tête de l'Espagne, en fait, parce que je sais plus à quel titre il y avait un droit de succession, enfin la France pouvait prétendre, de la même façon que pendant la guerre de Cent Ans, les Plantagenets, qui avaient du sang royal français par Aliénor d'Aquitaine, ont pu prétendre au trône de France. Bah, là, la France fait pareil sur l'Espagne. Il va y avoir 14 ans de guerre de succession, qui va être une très grosse guerre européenne, où quasiment tout le monde est allié contre la France, en fait, puisque l'idée, c'est que la France, l'Espagne bascule surtout pas dans le giron français, puisque l'Espagne... Elle est déjà sur le déclin depuis un moment, mais c'est quand même encore une grande puissance avec un immense empire colonial. Donc vous imaginez que l'Angleterre ou les Pays-Bas, dans la logique un peu de l'équilibre des puissances, ils n'ont pas trop envie qu'on ait une espèce de super France, France-Espagne, avec son empire colonial. À l'époque, la France, elle a encore la Nouvelle-France, l'Amérique du Nord, le Québec, les Indes, donc voilà. Tout ça pour dire qu'il va y avoir du coup des occupations françaises ici, puis il va y avoir surtout une occupation française qui a vraiment traumatisé l'Espagne et la Catalogne. Pas que je dise que la Catalogne c'est l'Espagne, sinon je vais me faire disputer. Bah, c'est l'occupation sous Napoléon. D'ailleurs, ça va être un véritable bourbier. Napoléon s'en mordra les doigts puisque pendant à peu près 10 ans, en fait, les troupes françaises occupent l'Espagne. Ça se passe très 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 mal. Il y a beaucoup de guérillas, d'embuscades, enfin, il y a énormément de résistance en fait, de la population. Et du coup, il y a vachement de répression de l'armée française, beaucoup de massacres des deux côtés. Et ça va coûter très cher au final à Napoléon, notamment comme un espèce de front intérieur au moment typiquement où il est très loin en Europe centrale et vers carrément même jusqu'en Russie. Il y aura toujours ce bourbier espagnol qui mobilisera des dizaines de milliers d'hommes qu'on n'arrive pas à contrôler. Sachant aussi que l'Angleterre, elle attaque depuis le Portugal qui est allié. Elle envoie des troupes contre Napoléon à travers la péninsule ibérique. Et voilà, ici, ça a quand même marqué la région. Vous voyez, là, on a toute une séquence, là, sur, vous avez vu, avec les costumes et les soldats de Napoléon. Et puis les petites figurines avec toutes les troupes et tout. Et d'ailleurs, vous avez là, au centre de Gironde, la place de l'indépendance, Plaza de Independencia. Alors c'est pas un clin d'œil à l'indépendance de la Catalogne, même si ça pourrait se lire un peu comme ça actuellement, mais ça a été nommé juste après la fin de l'occupation justement napoléonienne, pour célébrer justement la libération de la Catalogne. Là d'ailleurs vous voyez on a une belle maquette, une scénographie qui montre un peu la résistance et toute la guérilla qu'il y a pu avoir contre les troupes napoléoniennes.
Voilà une petite collection de soldats en plomb qui ferait rêver pas mal de passionnés. Et ouais, pour compléter, vous voyez, c'est un épisode qui a vachement marqué la ville. Hein. Ils disent que c'est carrément... je connais pas très très bien cette histoire, mais globalement, vers 1808, ici, il y a eu vraiment un siège de la ville. Il y a 38 000 hommes, notamment de Napoléon. Après, en fait, les troupes napoléoniennes, elles ont fait un petit peu que elles arrivent en masse en Espagne, elles contrôlent. Après, on se retire un peu, puis on puise des soldats aussi parce qu'on en a besoin sur les autres fronts. Et bref, vers 1809, on a un gros siège de la ville qui, j'imagine, s'était rebellé. Et là, on a carrément 40 000 Français qui encerclent Gironde. Avec 10 000 défenseurs dedans, et ça va être un grand drame en fait. La moitié de la population de la ville en fait va y passer quoi. Et c'est un truc qui va, voilà, qui va être un, comment dire, qui va impacter vraiment la vie de la ville, socialement, économiquement, évidemment, démographiquement, pendant tout le début du 19e siècle. Vous voyez là par exemple, vous avez une photographie avec des vétérans donc, et des survivants de ce terrible siège. Là, de ce côté-là, représenter plutôt les soldats, les types de soldats de Napoléon. Ça, par exemple, c'est les sapeurs. On les reconnaît à leur espèce de robe. Donc là, qui étaient déployés côté français. Et là, en fait, ce qu'on voit là, c'est pas des soldats, c'est pas des troupes napoléoniennes, c'est toutes les troupes espagnoles. Notamment, là, on voit par exemple les volontaires de Barcelone qui se sont mobilisés pour venir libérer la ville. Ça aussi c'est intéressant, par exemple vous voyez là ce drapeau, ça c'est l'ancien drapeau de l'Espagne en fait. Pendant très longtemps, le drapeau de l'Espagne c'était cette grande croix rouge avec avec ses petits, je sais pas trop comment ça s'appelle, sur un fond blanc. Quand vous regardez des images des tertiaux espagnols au XVIe siècle, ça a toujours été, c'est très récent en fait, hein, le drapeau sang et or, je pense que ça date de l'unification tardive. Enfin, pas l'unification, mais bref. Et donc ça aussi, ça venait des Habsbourg. Et vous aviez, quand vous regardez des images, voilà, des armées espagnoles, toute l'époque moderne, c'est ce drapeau-là que vous voyez, qui ressemble presque un petit peu au drapeau anglais, sauf que lui, le drapeau anglais, c'est une croix rouge, mais dans ce sens-là. Et voilà, vous voyez, ça a quand même été un événement très dramatique parce que ça a beaucoup inspiré la peinture, quoi. Il y a eu beaucoup d'œuvres qui ont été réalisées pour relater ce drame, cette grande tragédie. On en a là. Et comme je vous montrais un petit peu ces petites scénographies très joliment faites. D'ailleurs, bah, vous voyez là, on a encore le fameux drapeau. Et voilà, qui montre un petit peu la résistance des Gironais, si ça se dit bien comme ça. Parce que là, on reconnaît... On reconnaît la flèche là et le clocher de l'église en 1809. Effectivement, quand vous allez à l'étranger, vous vous rendez compte que la période napoléonienne, alors il ne faut pas dire c'était un méchant ou c'était un dieu, c'est toujours complexe, hein, c'est de la géopolitique, c'est des intérêts. Il y a eu du bon, il y a eu du pas bon, c'est comme dans tout, quoi. Mais effectivement, ça l'occupe. Il faut vraiment voir qu'à cette époque-là, en fait, on passe d'une situation où, à la Révolution française, c'est tous les grands pays voisins, l'Autriche, l'Espagne, qui sont encore des pays, des monarchies, et même encore des nations très féodales, en fait, des royaumes, plus exactement, très féodaux, qui ne voient pas forcément très bien la révolution libérale qui se passe en France, parce que c'était bien une révolution libérale. Ce n'était pas vraiment une révolution rouge et socialiste, comme certains l'imaginent un petit peu. C'est vraiment la bourgeoisie qui remplace la noblesse. Hein. Et pas grand-chose d'autre. Mais bon, je ferme cette parenthèse. Mais du coup, j'ai perdu mon fil. Oui, et du coup, voilà, il y a eu cette... La France attaquait de partout, puis finalement après elle repousse tous les assaillants dans les années 1790, et puis on va commencer à conquérir les pays voisins, à l'époque notamment les Pays-Bas, l'Allemagne, aussi parce que à l'époque c'est notamment les Girondins qui veulent qu'en fait la guerre ça coûte cher, et donc envahir les pays voisins, bah, ça rapporte, ça permet d'avoir du butin, ça finance un peu l'effort de guerre qui a été fait avant, sachant que Robespierre et de son côté et les Montagnards étaient pour ne plus faire de guerre de conquête, c'était ce qu'ils avaient mis dans la constitution de 1793, qui sera jamais
validée. Rien à voir avec celle de 1789. Là, on est vraiment beaucoup plus loin dans les droits de l'homme. Et du coup, après, voilà, bah, sous la période de Napoléon, en fait, bon, quelque part, il y a un peu toujours cette menace d'invasion de l'étranger. Donc, on est Napoléon était quelqu'un quand même qui généralement allait vraiment aller de l'avant, prenait un coup d'avance, anticipait le fait que il y a une nouvelle coalition qui se monte contre la France. Parce qu'au départ, c'est quand même des coalitions qui se montent contre la France. Et on attaque les premiers, on conquiert les pays voisins, on essaie de créer un régime sur place favorable pro-français, voire c'est carrément, c'est complètement contrôlé par la France, quoi. On met des frères et des sœurs, des Bonaparte ou d'autres gens, d'autres fidèles à la tête de ces pays. Et c'est doublement accueilli, en fait. Il y a des réformes libérales, le fait de mettre en place de nouvelles institutions, tout ce qui va être sur le plan du droit civil, du droit administratif, ça c'est plutôt quelque chose qui est bien accueilli, d'ailleurs qui sera gardé dans ces pays. Vous allez en Allemagne ou en Espagne, vous retrouvez plein d'éléments du code civil de Napoléon. Par contre, effectivement, cette occupation étrangère en fait d'un pays, ben, en fait, il va vraiment faire fermenter le sentiment national et quelque part l'occupation napoléonienne a catalysé en fait l'union en fait et la constitution de nations, l'unification par exemple de la Prusse, de l'Allemagne, de l'Italie aussi un peu plus tard, et d'une certaine façon de l'Espagne aussi. Et effectivement, quand on est dans ces pays, il y a les souvenirs de l'occupation napoléonienne, c'est pas traité avec des cocoricos et beaucoup de glorification parce que ça a été assez terrible, comme toute guerre.